Thank you.
Qui en auraient besoin. Bravo également et merci à l'atelier Amplicoustique Cordes de l'école de musique dirigé par Geneviève Boisson, leur professeur de violoncelle, et Laurent Vernier, leur professeur de guitare électrique. Vous avez certainement reconnu, ils viennent de vous jouer Glory Box de Portishead et Give Me the Night de George Benson. L'année 2023 a tiré sa révérence il y a déjà 20 jours. Et le rideau s'est ouvert fraîchement sur 2024. Avant d'ouvrir le bal au sens propre, ça va se passer notamment de ce côté-là, il vous invite à saluer les mois déjà écoulés et puis regardez l'horizon d'une année dans laquelle se profile, vous allez le voir, de très belles couleurs. Merci d'accueillir Laurent Turquois, maire de Saint-Sébastien-sur-Loire. Bonsoir à toutes et tous. Et bonne année. Bonne année à vous aussi. Bonne année à chacun et à chacune d'entre vous que je n'aurais pas encore eu l'occasion de saluer à votre arrivée dans la salle. Évidemment, je vous souhaite à toutes et tous de pouvoir profiter de temps en famille, de profiter de vos amis, d'être en bonne santé, bien évidemment, et puis de réaliser et d'accomplir tous les rêves qui sont les vôtres pour cette nouvelle année. Et sans plomber définitivement cette soirée dès son démarrage, je voudrais dédier cette cérémonie des vœux à Jacqueline Bastard.
Jacqueline était une de nos collaboratrices, une de mes collaboratrices les plus proches, puisque j'ai eu le plaisir et le bonheur de travailler pendant 8 ans avec elle. Elle travaillait au cabinet. Elle est malheureusement décédée il y a quelques heures, et je voudrais lui dédier cette cérémonie, la dédier aussi évidemment à l'ensemble des agents de la ville qui œuvrent tous les jours, et ils sont nombreux parmi nous ce soir, au quotidien, pour rendre ce service public de proximité auquel on est toutes et tous extrêmement attachés. Jacqueline a été une collaboratrice et un agent du service public très investi. Et effectivement, il y a beaucoup de tristesse ce soir. En tout cas, il y en avait beaucoup ce matin au moment où j'ai appris cette triste nouvelle. Et donc, c'est aussi le moyen de lui rendre hommage ce soir. Merci beaucoup. On va rester dans les sujets sérieux, entrer dans le vif du sujet. On dit qu'il ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Bah, évidemment, on parle d'argent. Les finances font partie de ces sujets socles pour pouvoir se projeter avec sérénité. Ça marche dans beaucoup de situations. Est-ce qu'on peut commencer par partager avec vous les chiffres clés de l'actualité financière du territoire ? Oui, alors du coup, c'est moi qui vais le présenter en quelques mots, les éléments chiffrés du budget 2024 qu'on a voté en décembre 2023, comme on a l'habitude de le faire de manière traditionnelle, à la place de Thomas Boucher, notre premier adjoint, qui, lui, a subi une petite opération en urgence, pas très grave, il y a de cela 2 jours, et qui aurait dû être sur scène pour porter ce budget qu'il a brillamment mené avec les services de la ville pour, effectivement, cette année 2024. Donc globalement, et pour vous faire les choses de manière très courte, cette année, c'est un budget dont, une fois encore, je suis particulièrement fier. Il s'équilibre à 48 millions d'euros, dont 38 millions d'euros pour le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est un budget qui est très important, puisque c'est celui qui nous permet de financer tous les services à la population. Je pense évidemment à l'état civil, dans les écoles, dans les crèches, pour nos aînés. Donc c'est un budget qu'on arrive à maintenir, à équilibrer, malgré ce que nous connaissons toutes et tous, c'est les éléments d'inflation, et que l'on peut équilibrer d'une manière prégnante, puisque ça nous permet de maintenir des services publics de qualité. Et puis, parce qu'un budget municipal, il est toujours équilibré, je vous ai parlé de 48 millions, dont 38 millions d'euros pour le budget de fonctionnement, il reste donc 10 millions d'euros, qui est la somme que nous allons être en mesure d'investir cette année. 10 millions, c'est une somme qui est importante. Je pense que sur le mandat 2020-2026, on devrait être aux alentours de 8 millions d'euros en moyenne par an. Donc, c'est un peu plus que la moyenne des années précédentes et dans un élément d'équilibre. Un budget qu'on arrive toujours à financer aux 3/4 par nos propres ressources, ce qui est un élément très important, puisque on ne fait pas trop d'emprunts, ce qui nous permet de redonner des latitudes, notamment pour les générations à venir, et puis de ne pas obérer le budget de fonctionnement, et puis avec des projets qui sont particulièrement ambitieux. Mais je crois que Patrice Jean aura l'occasion de dévoiler un certain nombre de projets concrets qui seront financés sur l'exercice 2024. On pourrait presque dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Presque. Oui, alors en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de difficultés financières de la ville, mais tout ça n'est pas le fruit du hasard. Bien sûr, c'est le fruit d'une stratégie financière rigoureuse, mise en place depuis déjà une dizaine d'années, et qui nous permet d'avoir encore des latitudes pour financer ce service public auquel on est si attaché, et puis de fournir des bâtiments, des équipements, notamment pour les associations et notamment pour les associations sportives, pour permettre évidemment que vous, les uns et les autres, vous puissiez pratiquer vos loisirs, notamment préférés. Alors, une cérémonie comme celle des vœux offre généralement l'occasion de dérouler le fil du temps. On peut regarder derrière les projets et puis bien sûr parler de celles et ceux qui les portent, ces projets. Et les élus que nous allons accueillir ici sur cette scène ont accepté la même règle du jeu, vous allez le voir, baptisée un objet, un projet. Les invitant, chacune et chacun, à venir avec un objet représentant symbolisant leur engagement d'élus reliés éventuellement à un projet qui leur tient particulièrement à cœur en ce 20 janvier 2024. C'est une idée qui émane peut-être de mon voisin de droite. Pourquoi cette proposition originale, Laurent Turquois ?
Parce qu'on vient d'évoquer la question du budget et donc la manière dont on déploie les politiques publiques. J'ai oublié de le dire et je risque de me faire tirer les oreilles si je ne le dis pas à cet instant. En 2024, ce sera à nouveau un budget ambitieux sans augmentation des impôts. Je oui, referme la parenthèse, mais elle était sans doute très importante et très attendue. Je constate en disant que la société change, que les choses sont de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles, que d'une société unie, on constate moins d'intérêt pour l'intérêt général et beaucoup plus pour l'intérêt particulier. Je le vois dans les projets qu'on porte, pour lesquels parfois on a des éléments qui sont des éléments de contradiction. Alors je crois que quand on accepte d'être élu, on accepte l'idée que les projets qu'on porte puissent ne pas, ou en tout cas puissent être en partie critiqués. Mais je trouve que c'est de plus en plus dur, et notamment à l'égard des élus. Et finalement, ça fait maintenant 10 ans que j'ai la chance, l'honneur d'être élu ici à Saint-Sébastien-sur-Loire comme premier adjoint, puis comme maire. Et je me dis que dans le fond, nous, chacun des projets que nous portons, nous les portons avec notre cœur. Que les décisions que nous les prenons toujours pour l'intérêt général. Qu'on essaye de trouver évidemment des éléments de compromis pour satisfaire les demandes qui seraient des demandes plus particulières, mais c'est bien l'intérêt général qui nous guide. C'est ça le seul fil. Et finalement, les projets que l'on a, je me suis dit, après 10 ans, quand il sera temps que les choses s'arrêtent, notamment pour moi, qu'est-ce que je retiendrai? Quel projet j'aurais envie de partager avec mes enfants, avec mes petits-enfants, dont je me dirais qu'on peut être fier? Et c'est ça que j'avais envie aussi que les élus partagent avec vous ce soir, au gré de leurs interventions, pour bien rappeler le caractère profondément humain, engagé, pour l'intérêt général, qui est le fondamental du rôle de l'élu. Eh bien, c'est parti, on va commencer cette découverte et c'est Claudine Siglia qui nous rejoint pour commencer autour d'une thématique pleine de promesses et d'avenir. On ouvre le chapitre Enfance-Jeunesse. Bonsoir et bienvenue à vous Claudine, vous êtes adjointe en charge de la jeunesse et de la petite enfance. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler votre objet? Oui, bonsoir à toutes et tous, et puis meilleurs voeux, bien sûr, pour cette année 2024. Alors, je vous ai apporté un objet qui représente, je crois, une partie du quotidien des plus petits qui sont accueillis dans nos crèches municipales. Alors, pourquoi cet objet? J'ai pas pu résister. Tout simplement parce que l'année 2023 a été un petit peu exceptionnelle dans le secteur de la petite enfance pour notre collectivité, avec l'ouverture d'un nouveau multi-accueil, les Jardins Ludiques, situés dans le quartier de la Profondine, rue de l'Allée Verte, au rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation Saugreen. Donc il s'agit d'une nouvelle structure de 700 mètres carrés dont la ville a fait l'acquisition dans un bâtiment à haute qualité environnementale et qui en réalité permet de fusionner deux multi-accueils qui étaient devenus obsolètes, le multi-accueil de la Profondine à proximité et le multi-accueil du Douai. Donc ce multi-accueil nous permet d'accueillir aujourd'hui simultanément jusqu'à 48 enfants. En réalité, cela correspond à 8 berceaux supplémentaires par rapport à la capacité d'accueil des deux anciennes structures, ce qui correspond tout de même à une augmentation de 20%. Donc ça n'est pas négligeable, c'est un vrai choix. Et pour terminer, par rapport à cette nouvelle structure, il est important de préciser que prochainement, elle sera labellisée tout comme la maison de la petite enfance écolo-crèche. Et sans rentrer trop dans le détail, simplement ce label met en valeur les pratiques de la petite enfance, des professionnels de la petite enfance, qui sont respectueuses de l'environnement et de la santé. Et je pourrais citer simplement, dans le cadre en particulier de toutes les activités qui sont tournées vers la nature, la découverte de l'environnement, des sorties quotidiennes des plus petits, qui sont réalisés en vélobus municipal pour leur faire découvrir, par exemple, nos îles de Loire, l'île Forget, qui sont assez remarquables. Voilà, donc je crois que vous l'aurez compris. En résumé, la ville tient à un accueil vraiment de qualité pour les plus jeunes enfants que nous avons le plaisir d'accueillir. Et dans le cadre d'un projet pédagogique, évidemment, qui est fort, qui est inclusif, et qui est porté par des équipes pluridisciplinaires, qualifiées et très investies. Et je crois que ce soir, c'est l'occasion qui m'est donnée ici de les saluer pour cet engagement. Merci beaucoup. Alors, on a cette toupie, d'accord, mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurent. J'ai l'impression qu'il y a autre chose dans ce sac.
Alors, c'est un petit peu le sac de Mary Poppins. Hein. J'ai effectivement, non pas un objet supplémentaire, mais deux objets supplémentaires. Et oui. Alors, je vous ai apporté deux lettres. Je vais les disposer. Il y a un ordre particulier, j'imagine. Elles vous sont très légères, hein, je vous rassure. Merci. Alors, la lettre I et la lettre J. Alors, I, J pour Info Jeunesse. Voilà, le mystère est levé. Alors, Info Jeunesse, ça correspond en fait... C'est mieux. Ouais. C'était le test. Nous le voyons à l'envers dans l'écran de retour. Pardon. C'est parfait. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, Info Jeunesse, en fait, ça correspond à un volet de nos politiques publiques à destination en particulier des 11-25 ans. Mais l'InfoJeune, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un réseau de structures dont la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire fait partie depuis maintenant 7 ans, puisqu'on a obtenu le label d'État qui est décerné par les directions régionales Jeunesse et Sport, et qui valide en fait notre mission de service public essentielle, qui est de délivrer une information à tous les jeunes, et une information évidemment fiable et impartiale. Et ça signifie souvent... ça peut être une information qui ne correspond pas toujours à celle qui est disponible via Internet, via les réseaux sociaux, notamment pour le public des plus jeunes. L'objet, évidemment, à travers cette information qu'on rend accessible et qu'on sécurise en quelque sorte, c'est de permettre aussi l'accès aux droits, à tous les droits possibles pour ce public de jeunes, de leur faciliter les démarches et puis de favoriser le dialogue qui est toujours important pour accompagner un public dans des étapes de vie structurantes et qui ne sont pas toujours très très faciles. Concrètement, ça se déroule sur notre site Info Jeunesse à Saint-Sébastien. Le local se situe 5 allées des Maraîchers, tout près de la Poste. Donc c'est un lieu d'accueil où Thibault reçoit sur des permanences les jeunes qui se présentent, un lieu de ressources sur des thématiques qui les concernent, que je ne vais pas toutes citer là, mais vous pouvez les deviner assez aisément. Ce site accueille également un point d'accueil et d'écoute jeune qui permet à notre psychologue qui travaille avec la ville de recevoir sur rendez-vous chaque lundi entre 16h et 18h les jeunes qui ont besoin d'une consultation, évidemment de façon confidentielle et gratuite parce que c'est une politique publique qui est portée par la ville également et qui est assumée financièrement. Voilà pour ce volet d'information physique sur un lieu dédié et que j'espère bien identifié du public de jeunes. Et je voulais ce soir surtout mettre en lumière l'IJ, l'InfoJeune mobile, à contrario du site et du local que je viens de présenter. Et l'IJ mobile, mais finalement, ce sont toutes les actions qui sont déployées hors les murs. Mmh. Alors c'est très important parce que pour que l'information parvienne, ça peut être très utile d'aller à la rencontre de ce public. Et on a vraiment souhaité porter cette politique dès la fin de l'année 2020 dans le contexte qu'on connaît tous. L'idée, c'est à travers l'information de réaliser de la prévention, de la sensibilisation pour les jeunes du territoire. Donc le service jeunesse s'est engagé à construire un plan d'action qui se déploie notamment à travers des ateliers dans les établissements scolaires où nous intervenons. Vous les voyez par exemple ici dans les collèges et dans les lycées. Évidemment en co-construction avec les équipes éducatives sur site. Et je suis très heureuse et très fière aussi de pouvoir dire que cette politique publique, qui a un pari audacieux, parce qu'elle n'existe pas partout, c'est un pari réussi. Parce que finalement, entre 2021 et 2023, une cinquantaine d'ateliers ont été réalisés qui ont touché au moins 1600 jeunes du territoire. Donc ça représente une population importante. Et quand je parlais de prévention... beaucoup de thématiques sont abordées et des thématiques qui sont vraiment en adéquation avec les problématiques qui les concernent directement. Je ne vais pas toutes les citer là non plus, mais on peut parler de l'égalité femmes-hommes, on peut parler de la lutte contre le harcèlement, le harcèlement scolaire, par exemple, dont on entend maintenant beaucoup parler, puisqu'une journée nationale, le 9 novembre, en fait une cause, une grande cause pour tout le monde. La lutte contre les discriminations, la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles. On peut parler aussi de la notion de genre, de consentement. Je ne vais pas tout égrener. Mais en tous les cas, ce sont des actions très, très fortes qui sont réalisées, qui sont très appréciées. Et nos agents qui interviennent, hein, Thibault, Anaïs, Jérémy, qui se forment régulièrement, qui construisent ces interventions, toujours dans le souci de pouvoir permettre à ce public de jeunes de prendre la parole par le biais du jeu, par le biais du débat notamment, sont toujours très investis. Et je crois que c'est aussi l'occasion de les remercier pour cette implication si particulière sur le terrain. Il y en a des choses derrière ces deux lettres. Voilà, information jeunesse. Et je termine quand même dans le domaine de la jeunesse avec un projet qui va être la constitution d'un vrai pôle jeunesse sur le site de notre accueil de loisirs 10-14, qui se trouve aujourd'hui à côté de la maison des associations, René Couillot, qui va être agrandi et qui sera l'occasion de rassembler les agents qui œuvrent presque au quotidien pour toutes ces politiques publiques. Donc ce sera un gage de proximité plus forte et de meilleure efficience. Merci beaucoup, Claudine. Merci. Donc, on a compris qu'il y a un lien entre les enfants qui ont grandi, hein, une fois qu'ils ont lâché la toupie, puis entre les deux, souvent, ils vont à l'école, et ça tombe bien, parce que parler enfance-jeunesse, c'est parler d'avenir, et un avenir qui s'écrit aussi au sein des salles de classe, et je fais allusion au plan école durable. Est-ce qu'on peut se projeter? Et je crois qu'il y a un horizon 2028 qui se dessine sur ce sujet. Oui, bah, je vais faire le lien, d'ailleurs, avec ce qu'a très bien décrit Claudine. D'autant plus que, peut-être que tu n'as pas assez insisté, donc je voudrais remettre une pièce dans le jeu de boxe. On va intervenir, nous intervenons notamment dans les collèges et dans les lycées, alors que je vous rappelle que les villes n'ont en réalité en gestion que, et c'est déjà beaucoup, les écoles maternelles et les écoles primaires. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans ce qu'on a décidé de mettre en œuvre sur cette politique jeunesse en immobilisant et des fonds et du personnel, c'est que là où on nous parle beaucoup de grands principes, nous on va directement au plus près des jeunes avec des actions concrètes sur des sujets dont on entend très régulièrement parler aux informations pour apporter des éléments de solution, et je trouve que ça a du sens. Et puis évidemment, si tout ça permet de construire les futurs citoyens, il faut évidemment que la ville se donne les moyens, elle, d'offrir les meilleures conditions de travail pour les plus jeunes, à la fois en maternelle et en primaire. Et c'est pourquoi on a pris le temps nécessaire et utile pour bâtir un projet ambitieux qui verra la fin en 2028 et qui consiste en la rénovation de l'ensemble des 5 groupes scolaires de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, avec ce programme donc, qu'on a baptisé École durable. Deux volets, là encore, très pragmatiques et très concrets. Un premier volet, je commence par celui-ci parce qu'il a une logique de durabilité. C'est le 1 000 000 d'euros que nous allons mobiliser pour faire en sorte que d'ici 2 ans, l'ensemble des cours des écoles soient revégétalisés, que ce soit du coup un lieu qui permette de recréer des parcs. Vous voyez sur la photo qui est visiblement diffusée derrière moi, les travaux ont commencé à l'école de la Profondine. Voilà, c'est un vrai projet, une vraie ambition. Et au-delà de la végétalisation, c'est aussi d'offrir la possibilité de faire l'école dehors. Mais comme ce ne sera évidemment pas possible, et notamment avec les grands froids au mois de janvier, et on travaille également sur le deuxième volet qui est d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les classes. Et ce sont 21 classes qui vont être créées d'ici 2028, réparties dans les différents groupes scolaires de la ville. Vous avez là du coup une carte qui vous permet d'identifier et les écoles et le nombre de classes qui vont être créées. Donc 21 classes, 9 de maternelle, 12 en élémentaire, pour un budget de 15 millions d'euros qui seront mobilisés d'ici à 2028. Une fois encore, parce que c'est une politique publique prioritaire de notre ville, nous tentons d'apporter des solutions et des éléments pragmatiques pour conduire cette politique publique. Cette photo a été prise très récemment puisqu'on a eu la chance d'inaugurer l'école maternelle du centre qui faisait partie du premier volet de ce plan d'école durable. Merci beaucoup. Voilà pour cette première thématique enfance-jeunesse. Je vais rendre à Claudine Marie Poppins les éléments de son sac. Et on vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup, Claudine Siglia. Et bienvenue à un duo composé de Camille Nobilet, adjointe en charge de la responsabilité sociétale et environnementale et de l'égalité femmes-hommes. Et elle vient accompagnée de Sylvain Gatt, adjoint en charge de l'urbanisme,
de l'aménagement de la ville et des nouvelles technologies. On parle développement durable. Bienvenue à tous les deux. On voit déjà un petit peu, mais je vais vous laisser nous dévoiler vos objets et nous dire surtout pourquoi vous les avez choisis. Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors, pour ma part, j'ai choisi une petite plante pour le symbole qu'elle représente, le symbole de la végétalisation, puisqu'il s'agit d'une des raisons de mon engagement de municipal en 2020. Donc, voilà, j'avais à cœur de porter des projets en fait, qui iraient dans le sens de la végétalisation de la ville, mais surtout qui iraient pour un objectif de déploiement de la canopée urbaine, donc, notamment la plantation d'arbres. Avec des actions concrètes derrière, qui ont vu le jour déjà ? Oui, alors on a fait plusieurs actions et ce pour plusieurs raisons. Donc on sait que l'arbre joue un rôle pour la préservation de la biodiversité, mais pas seulement. Il a aussi un rôle dans la gestion de l'eau, puisque quand on plante un arbre, on peut le voir sur la photo, on désimperméabilise et donc l'eau peut s'infiltrer dans le sol plutôt que d'aller dans nos réseaux. Et qui sont parfois de temps en temps engorgés, et donc ça permet de lutter contre les inondations qu'on peut parfois connaître dans les grandes villes comme Nantes et comme Nantes Métropole. Donc une des autres raisons, c'est aussi que l'arbre joue un rôle dans la gestion des îlots de chaleur, puisque pour vous donner un seul chiffre, je vais vous donner celui de 6 degrés. C'est le différentiel qu'on peut avoir en température entre une place végétalisée et une place entièrement bitumée. Donc 6 degrés, on imagine bien que dans les épisodes de canicule comme on a pu subir les dernières années, ça fait toute la différence en fait, pour le confort d'été. Donc pour citer une autre des raisons pour lesquelles on a envie et on porte ces projets que je vais vous présenter juste après, c'est bien sûr le paysage, puisque je pense qu'on s'accordera tous pour dire qu'une ville plantée et végétalisée est beaucoup plus agréable à vivre. Voilà pour quelques raisons qui m'ont donné envie de porter des projets. Et donc pour aller vers ces objectifs, plusieurs grands projets. Le premier dont je voulais vous parler, c'est la forêt urbaine. Donc pour rappel, c'est un projet ambitieux qui se situe dans le quartier de La Fontaine, sur un terrain de plus de 1 hectare. Donc c'est important pour moi de le rappeler, ce terrain de 1 hectare était initialement un terrain constructible qu'on aurait pu céder à la promotion immobilière et donc on a choisi de renaturer. Donc ce projet va se dérouler sur plusieurs années et sera fini à l'automne 2025. Vous pouvez voir apparaître plusieurs phases de plantation au fur et à mesure des années dans la période propice, c'est-à-dire l'automne et l'hiver. Voilà pour ce premier projet. Un autre projet dont je voulais vous parler et qui est peut-être moins connu car plus diffus, c'est le projet du plan canopée urbaine de notre ville. Donc on travaille avec les services que je remercie à planter chaque année au cœur des quartiers et dans les rues en fait des arbres pour végétaliser notre ville un petit peu partout. Et donc pareil ici, un chiffre, on a planté plus de 225 arbres en fait depuis 3 ans, ce qui est quand même un nombre assez considérable. Et donc, puisque planter, construire n'est pas suffisant, il faut aussi préserver l'existant. On a aussi commencé un travail de protection au titre du PLUM, du plan local d'urbanisme métropolitain. On fait un travail de préservation de tous les arbres existants. Et donc, ça va permettre de préserver notre patrimoine végétal auquel on tient. Voilà. On voit toute la résonance qu'il y a derrière cette verdure juste ici. Ce petit plan plein d'avenir. Exactement, en train de pousser. Sylvain, quel est l'objet que vous avez apporté avec vous ? Peut-être pouvez-vous le porter, vraiment ? Je ne sais pas. C'est une invitation, mais ce n'est pas une obligation. Vous me prenez le cours. Non, je ne préfère pas, ce n'est pas moi. D'accord. Alors, je vais dans ce cas le mettre dans la lumière. Pourquoi une toque de chef ? Voilà, j'ai choisi une toque de chef cuisinier. Alors, chacun sait ici que j'ai... J'excelle dans ce domaine de faire la cuisine. Non, blague à part. Manifestement, il y a des voix contraires. Ça me permettait de parler de la restauration scolaire et de nos cantines. Et de rappeler à quel point les repas qui sont fournis, qui sont servis à nos enfants sont excellents. Grâce notamment à une diététicienne qui élabore les repas de manière équilibrée. Grâce aussi à l'ensemble des produits bio qui sont servis chaque jour à nos enfants. Des produits locaux aussi qui sont cultivés près de chez nous. Et puis aussi, une journée par semaine, il y a un produit végétarien. Et donc, pour reboucler effectivement avec le projet 2024, c'était pour évoquer notre cuisine centrale mutualisée avec les villes de Vertoux et des Sourinières qui va être livrée du coup en 2024. Nouvelle cuisine centrale
et qui nous permettra voilà, d'aller encore plus loin dans la qualité des repas servis à nos enfants et puis aussi d'éviter du gâchis alimentaire également. On voit une photo, effectivement, ce nouveau bâtiment qui va sortir de terre prochainement en 2024. On voit qu'il y a déjà beaucoup de projets derrière les objets que vous avez choisi de partager. Mais si vous deviez choisir, parce que c'était un peu la règle du jeu, si vous deviez n'en choisir qu'un ce soir, celui que vous pourriez raconter à vos enfants, à vos petits-enfants, en revenant du travail, quel est le coup de cœur que vous aviez à cœur d'exprimer ce soir ? Alors, pour ma part, j'ai choisi de parler de la rue aux enfants. Déjà, parce que c'est un projet qui est coporté avec une association de la ville, une association qui s'appelle Nos Rues Demain, donc coporté entre l'association et la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Et donc, c'est un projet qui me tenait à cœur pour le sens qu'il a et les objectifs qu'il porte. Il vise à rendre aux Sébastianais, en fait, l'espace public, en fait, lui donner la possibilité de se réapproprier cet espace pour y faire des événements en fermant des rues le temps d'une journée à la circulation et de redonner vie à ces espaces en créant du lien social. Donc la première édition en fait d'un tel événement a eu lieu en septembre dernier, en septembre 2023, et on a eu plus de 1200 personnes en fait qui ont pu déambuler sur cet événement. Donc ça a été une belle réussite et ils ont pu profiter de tous les ateliers qui étaient proposés. Et donc, par ce biais, ce projet a pu aussi bénéficier du label Rue aux enfants, rue pour tous. Et donc, on est un peu fiers de porter des projets qui vont dans ce sens-là, surtout quand on sait aujourd'hui que la question du dehors est un peu un enjeu de santé publique. Donc, voilà, on est fiers de porter des projets qui vont dans ce sens-là et qui vont surtout dans le bon sens. J'imagine, un peu, c'est peut-être un euphémisme d'ailleurs. C'est tout à fait un effet. Sylvain, donc la rue aux enfants ou rue aux enfants, je ne sais pas si le bon terme c'est avec la ou pas, c'est la rue aux enfants. Rue aux enfants. Rue aux enfants. Et Sylvain, quel est votre choix ? Alors pour rester sur le domaine public, hein, oui, je voulais vous parler partagé. De le projet qui nous tient à cœur hein, collectivement, hein, c'est le projet Ville Apaisée, dont on parle depuis un moment maintenant. De quoi s'agit-il alors exactement ? Alors Ville Apaisée, alors l'enjeu hein, c'était de revoir l'ensemble du plan de circulation de la ville hein, avec trois objectifs hein, que nous avions à l'esprit. Donc le premier c'est le partage, hein, partager la voirie entre les différents modes de déplacement, les piétons, les vélos, les voitures, le transport en commun. Avec un deuxième objectif qui était la réduction de la vitesse des voitures et puis un troisième objectif qui était la végétalisation de nos rues. Et ça s'est déroulé comment concrètement ? Alors, avec la métropole, nous avons mandaté un cabinet d'études spécialisé, technique, hein, qui s'est également appuyé sur un panel d'une trentaine d'associations sébastianaises. Et puis, nous avions aussi demandé l'avis aux Sébastianais. Donc, ce sont plus de 450 contributions qui ont été analysées et qui nous ont permis d'élaborer ce nouveau plan de circulation. Et alors, ça a donné quoi tout ce travail, cette émulation ? Alors il y a deux points clés. Donc le premier c'est le passage à 30 km/h sur l'ensemble de la commune, sauf le boulevard des Pas Enchantés, la route de Clisson et puis une partie du trajet du chronobus C9. On voit la carte à l'écran. Donc ça c'est le premier point, le premier volet. Et puis le deuxième volet hein, qui consiste à mettre en sens unique un certain nombre de rues de Saint-Sébastien. Donc, certaines choses ont déjà commencé. C'est quoi la suite pour avoir une petite idée du planning ? Alors, l'enjeu derrière, notamment la mise en sens unique des rues de Saint-Sébastien, c'est de permettre... Alors, tout le monde sait que les rues ne sont pas suffisamment larges pour laisser passer tout l'ensemble des modes de déplacement sur ces rues. Donc, le fait de mettre en sens unique une rue nous permet demain d'élargir les trottoirs pour laisser plus de place aux piétons, de créer, comme on le voit sur l'écran, des pistes cyclables sécurisées, et puis aussi de végétaliser, hein, comme on voit ici à l'écran, avec des arbres qu'on va pouvoir planter sur l'espace public, tout en conservant du stationnement lorsque c'est possible. Et alors, ça se passe comment ? Dans le retour, les retours que vous avez ? Alors, on a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu un petit murmure, là, léger. On a eu beaucoup de commentaires, à la fois négatifs et positifs, hein, bien évidemment. Donc, avec Camille Nobilet, justement, on a rappelé systématiquement à chacune des personnes qui nous ont sollicitées afin d'échanger avec elles sur, justement, les appréhensions qu'ils pouvaient avoir et puis lever des doutes aussi. Effectivement, il y avait pas mal de demandes qui étaient des demandes personnelles. Donc,
Nous, ce qu'on disait systématiquement, c'était, nous, ce qui nous intéressait, c'était l'intérêt collectif, l'intérêt collectif de pouvoir déployer ce projet Ville Apaisée. Alors, je vais poser une question philosophique à Laurent Turquois. Est-ce qu'il peut exister des changements confortables ? Ou le changement doit-il nécessairement être inconfortable ? Généralement, vous terminez ce genre de phrase, vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures, j'ai hésité. Bon, d'abord, moi, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier à la fois Sylvain et Camille, parce que, d'abord, Sylvain a rappelé toute la procédure qui a été relativement longue. Elle s'est conduite sur plusieurs années. Et les remercier, eux, plus particulièrement, parce qu'on avait mis en place et décidé de mettre en place des réunions publiques au cours desquelles, effectivement, vous avez pu répondre à toutes les questions. Je mesure bien et je l'assume totalement que ce type de changement, c'est des changements qui peuvent perturber les habitudes des uns et des autres. Seulement, voilà, gouverner, c'est aussi prévoir l'avenir, sentir les éléments de changement et anticiper du mieux possible. C'est pourquoi, effectivement, le fil conducteur qui était le nôtre n'était évidemment pas d'enquiquiner celles et ceux qui aujourd'hui se retrouvent avec une rue dont le sens aurait été modifié, mais bel et bien de préparer cet élément de partage de l'espace public en voyant et en constatant que les choses sont en train de changer et qu'il faut les accompagner, progressivement. C'est notre responsabilité d'élus locaux et je pense qu'à travers ce projet-là, nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt et nous présentons les choses telles que nous pensons qu'elles ont du sens aujourd'hui et pour demain. Et d'ailleurs, finalement, quand on y pense, on profite pour saluer les enfants du conseil municipal enfants qui sont installés dans les gradins pour une partie d'entre eux et de les remercier de leur présence ici. Lorsqu'on a accompagné les changements et notamment le fait, vous ne l'avez pas évoqué ni l'un ni l'autre, mais de bloquer systématiquement tous les accès des rues des écoles au moment de l'entrée et des sorties, moi, je commence ma journée relativement tôt et donc, du coup, je peux vous dire que tous les matins, il est flagrant de voir à quel point, notamment de mon bureau, j'observe le nombre grandissant sans cesse chaque jour des parents et des enfants qui ont délaissé leur voiture et qui viennent aujourd'hui en vélo. Donc, il y a des mouvements de société qu'il faut pouvoir accompagner. Je pense que Le terme que nous avions choisi ensemble pour mener ce projet qui est ville apaisée se fait de manière apaisée, de manière progressive pour accompagner les modes de changement. Alors évidemment, on reste attentif aux remarques. On a clairement dit que les premiers éléments d'installation seraient testés, évalués, que le cas échéant, parce que c'est ce qui a du sens, on arriverait à apporter des éléments de modification. Mais évidemment, bien sûr, que s'ils emportent l'intérêt général, parce que c'est bien ça le sens de l'action publique. Merci beaucoup et merci bien sûr à Sylvain et Camille, à qui je vais restituer ces objets précieux, on l'a compris, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Et je vous propose à présent une petite respiration en musique, grâce au talent des jeunes qui vous ont accueillis. Virgile, Amalia, Isabelle, Mathieu, Mathéo, Mathis, Loïc, Cyril et Anna, qui vous emmènent, vous devriez peut-être reconnaître là aussi le titre, en week-end. Thank you.
Bravo. Et merci beaucoup. Mais oui, le week-end, c'était un titre plutôt bien choisi. On va reprendre le fil en accueillant à nos côtés Valérie Sourisseau, adjointe en charge de la solidarité et de l'action sociale, et Michèle Bonnet, conseillère métropolitaine en charge de Ville Amie des Aînés, pour ouvrir le volet solidarité. Bienvenue, mesdames. Merci. Voilà, bonne année à tout le monde et que l'année 2024 vous porte en bonne santé et avec une grande sérénité dans vos vies. Merci pour ces bons voeux. Quels sont les objets que vous avez apportés avec vous ? Eh bien, moi, j'ai apporté un téléphone. Assorti à la tenue. Vous avez vu l'intention. C'est incroyable. Je le prends et je le mets dans la lumière. Dans quel sens ? C'est sous l'œil des caméras. Pourquoi un téléphone ? Alors, pourquoi un téléphone ? Parce que le téléphone est un outil absolument fabuleux d'information, mais c'est aussi et avant tout un outil qui nous permet d'avoir du lien entre nous, dans une même génération, mais aussi entre toutes les générations. Et puis, de manière paradoxale, c'est aussi un outil de fracture. C'est un outil de fracture numérique, dans le sens où on devrait pouvoir trouver là toute l'information dont on a besoin. On pourrait devoir trouver là l'accès au droit, qui est un accès important dans notre société. Et finalement, avoir un téléphone portable, l'usage du téléphone portable, ça s'apprend. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Merci, bravo pour le teaser. On y revient. Mais d'abord, je voudrais découvrir l'objet apporté par Michèle Bonnet. Bonsoir à tous et meilleurs voeux. Alors moi, c'est un minibus. Et pas n'importe quel minibus. Ah bah, c'est le minibus. J'appuie Non. Surtout non. Pas. Je n'appuie pas. C'est pas la peine. Pardon. Pourquoi ce minibus ? Ce minibus parce qu'il est proche des Sébastianais les plus fragiles et il répond à leurs besoins. C'est une vraie démarche de proximité et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors merci. Et donc, la question était de quel projet vous êtes les plus fiers en ce début d'année 2024 ? Quel est votre choix ? C'est pas si simple de choisir. Non, Valérie. C'est vrai, c'est pas si simple de choisir. Et donc, pour revenir à mon objet, un des projets que nous avons porté et qui a montré sa grande utilité, c'était le projet de lutte contre la fracture numérique. Nous avons un conseiller numérique qui intervient sur la ville, alors dans certains lieux, hein, en particulier au Carrefour des Familles, mais aussi à la médiathèque qui est très fréquentée. Et finalement, toutes les personnes qui ont des problématiques liées à l'usage du numérique, hein, dans toutes ses dimensions, peuvent le rencontrer. Donc voilà un premier projet qui a abouti et qui vraiment a montré son utilité. Il y avait et il y a un vrai besoin d'accès au numérique et évidemment d'apprendre à utiliser à la fois l'outil, mais aussi à savoir comment surfer, trouver l'info, remplir sa déclaration d'impôt, sa déclaration de plein de choses. Tout un tas de démarches administratives. Exactement. Ça, c'était le premier élément, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Alors, le deuxième élément qui me tient à cœur, c'est la mise en place de l'espace d'accueil enfants-parents. L'espace d'accueil enfants-parents est un lieu où tous les parents viennent avec leurs enfants parler librement de la parentalité, de l'éducation. Et là aussi, cet espace était très attendu, et en particulier par les familles monoparentales, puisque sur Saint-Sébastien, nous avons 26% des familles qui sont des familles monoparentales. Donc ce n'est pas rien. Et ce besoin de discussion, d'échange, a été concrétisé effectivement dans la mise en place de cet espace.
Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux sujets ? Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux sujets ? Oui, bien évidemment, le lien, il est lié à toutes les problématiques d'accompagnement et de prévention sociale. Et sans le Centre communal d'action sociale, évidemment, toutes les actions que nous menons en termes de politique sociale ne pourraient être mises en œuvre. Donc le Centre communal d'action sociale, c'est vraiment un lieu d'accueil, d'écoute, pour tout le monde, parce que finalement, on peut avoir besoin, au long de sa vie, de pousser la porte du CCAS, parce que, les accidents de la vie arrivent et quelquefois, on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'être accompagné. Et puis, il y a des familles qui sont en grande précarité, qui sont accompagnées régulièrement aussi par les 24 agents du CCAS. 24 agents donc, qui interviennent, je le disais, sur l'accompagnement social, mais aussi sur l'accueil des personnes. Et puis, sans oublier les seniors, bien évidemment, qui sont accueillis sur le pôle des solidarités. 24 agents qui reçoivent un peu plus de 160 personnes par semaine, ce n'est pas rien, soit physiquement, soit au téléphone, soit par des échanges de mails. 160 puis, personnes, c'est autant de familles derrière. C'est autant de familles, absolument, vous avez raison. Et puis, un budget important consacré à l'action sociale, puisque c'est 1 500 000 euros qui sont consacrés à l'action sociale dans notre ville. Pourquoi ce budget important, il est fondamental, Laurent Turquois ? Parce que, évidemment, on ne peut pas rester insensible à celles et ceux qui, aujourd'hui, connaissent des difficultés et que l'échelon municipal est un échelon important pour accompagner au quotidien et au plus proche des besoins des familles, justement, ces difficultés. Qu'en plus, on a la chance de le faire en réseau, puisqu'on a un tissu associatif qui est très important, qui vient en complément, notamment du département, dont c'est le rôle quand même essentiel, que d'accompagner celles et ceux qui sont en difficulté. Les centres sociaux communaux sont aussi des acteurs très importants. On a la chance d'avoir deux CSC fortement mobilisés sur notre territoire. Et puis, un certain nombre d'associations, comme par exemple le Secours Populaire, les Restos du Cœur, qui sont évidemment omniprésents et qui nous accompagnent dans le développement de ces politiques publiques. On va continuer sur la notion du lien et hop, je relis vers ce minibus qui nous conduit vers trois lettres. VAA comme ville amie des aînés. C'est quoi exactement le projet ? Alors, ville amie des aînés, c'est une démarche participative que nous avons engagée en 2016 et qui regroupe 8 thématiques et nous avons lancé le premier plan d'action en 2018. Fin 2023, nous avons réengagé un diagnostic participatif enrichi d'une équipe, d'une enquête auprès des Sébastianais avec 156 répondants. Et nous allons présenter au prochain conseil municipal de février le nouveau plan d'action. Et puis, nous sommes engagés dans un processus de labellisation et nous serons labellisés au mois de mai à Brest. Rendez-vous important, oui. En or, j'espère, Michel. Oui, monsieur le maire. Amine. C'est le moment d'envoyer des vœux. C'est le moment. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc, ce lien avec le minibus, ça me permet de parler d'une des 8 thématiques qui est lien social et solidarité, et plus particulièrement les actions que l'on mène contre l'isolement des personnes fragiles. L'idée de ce minibus municipal, il est né des citoyens et aussi d'une rencontre que nous avons faite avec monsieur le maire lors des repas des aînés, avec une dame qui nous a dit que si sa voisine ne l'avait pas amenée, elle ne serait jamais venue au repas des aînés. Et comme nous avions aidé à financer un minibus de l'équipe de handball, nous leur avons proposé une convention, puisqu'ils ne l'utilisaient que les week-ends, si nous pouvions l'utiliser en semaine pour pouvoir emmener nos seniors, dans un premier temps, sur le marché. Et c'est ce qui s'est passé. Le fait d'être dans le minibus, c'est là que le lien social commence à se tisser avec les hommes et les femmes qui sont là. Et ce marché a permis de reprendre plaisir à faire les courses, à manger, et puis en même temps être dans le centre de Saint-Sébastien, de pouvoir aller à la pharmacie, de pouvoir aller acheter sa baguette. Donc ça s'est tellement bien mis en place que nous avons continué, après Covid, de proposer des activités.
le pôle senior a donc propose toujours donc des balades solidaires, a proposé des cours de cuisine et propose un accompagnement également au restaurant municipal. Il accompagne également à des séances de sport. Il permet d'assister aux événements culturels de la ville. Il permet de donner un peu de répit aux aidants puisqu'il vient chercher les aider pour aller à la halte répit. Et puis avec la maison de la petite enfance, il s'est créé des liens, il y a des activités avec les jeunes enfants, les seniors, et on envisage, et c'est même là, ça va se créer cette année, un jardin intergénérationnel dans lequel les seniors, les jeunes et les familles pourront venir partager ensemble le projet et y parler, voilà, consommation, et faire des échanges. Un petit mot sur ces liens intergénérationnels. J'en profite pour dire que ce minibus s'appelle Hortense. Donc, oui. Il est déjà en lui-même intergénérationnel, parce que c'est un jouet avec voilà. un prénom plutôt de personnes qui n'ont pas 5 ans aujourd'hui. Voilà. Quoique, ça revient. Ça revient. Ça revient. Je referme la parenthèse. Sur le lien intergénérationnel. Juste, je veux dire que ce lien intergénérationnel, c'est aussi, enfin, ce minibus, c'est un vrai lien de proximité, c'est un vrai service public qui est piloté par le pôle senior. Sans oublier, je voudrais faire un petit coucou à certains qui sont présents, aux bénévoles des Sébastianais s'entraide, puisque c'est aussi grâce à eux, c'est important qu'ils accompagnent le pôle senior. Et l'année 2024, on va encore amplifier toutes ces actions pour permettre aux personnes les plus fragiles de pouvoir participer à la vie de Saint-Sébastien, d'avoir des échanges, de la convivialité et de se sentir bien vivre à Saint-Sébastien-sur-Loire. Bien et ensemble. Oui, et ensemble, parce que ce que j'aime beaucoup, moi, dans le label Ville Amie des Aînés, et pourquoi je mets un peu de pression auprès de Michel pour que le label, on aille le chercher, le label or. Alors, certes, c'est parce que c'est l'année olympique, mais ce que je trouve très intéressant dans ce label, c'est son caractère extrêmement concret. Concret et qui mobilise et fédère toutes les énergies. À la fois les services sociaux de la ville, à la fois les élus, à la fois le tissu associatif, mais peut-être et avant tout les habitants, eux, directement. Et qui a pour un objectif très clair, c'est de ne produire que des choses très concrètes. Parce que finalement, en quelques minutes, Michel vous a cité plein de choses qui auraient, par exemple, pour moi, pu être mes coups de cœur. La halte répit, créée pour les aînés, pour aider les aidants, celles qui accompagnent les personnes les plus en difficulté au quotidien et qui trouvent là un moyen d'avoir pendant quelques heures un peu de répit pour elles et pour s'occuper d'elles. C'est ce transport solidaire qui a démarré de façon originale avec ce partenariat avec le HAND, mais qui nous a conduit, face à son succès, à acheter un deuxième camion et à embaucher un deuxième puis un troisième chauffeur parce que les courses étaient de plus en plus importantes. Et j'aurais pu citer aussi, pour faire le lien d'ailleurs avec ce que nous disait Claudine Siglia, qui est en charge la politique de l'enfance et de la petite enfance, quand elle évoquait tout à l'heure la livraison de la nouvelle crèche Sogreen, il ne faut pas oublier que tout ça est un projet beaucoup plus ambitieux que la seule création de la crèche, puisque si elle est bel et bien située au rez-de-chaussée de cet immeuble, au deuxième étage, on y trouve 5 appartements, dont 4 qui sont utilisés et loués par des seniors. Et le cinquième, il est utilisé et loué par 2, là en l'occurrence en ce moment, 2 jeunes femmes. 2 jeunes femmes qui payent un loyer extrêmement modéré. Et en contrepartie d'un loyer modéré, elles consacrent quelques heures tous les jours à accompagner les 4 seniors qui habitent juste à côté. Donc tout ça crée du sens, permet effectivement d'être ensemble. Et parce qu'on est ensemble, on est plus performant. Et parce qu'on est plus performant, on peut être solidaire. Voilà le clin d'œil que je voulais faire à Marouane, il comprendra pourquoi. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci d'avoir illustré merveilleusement cette thématique des solidarités. Je vous rends le téléphone et Hortense. Merci infiniment. Eh bien, je vous propose désormais de parler vie associative en accueillant Alice Quérin, adjointe à la culture, et Patrice Jean, adjoint au sport. On les accueille maintenant. Bienvenue à vous. Qui dit vie associative dit
engagement, on peut parler aussi de vitalité. Et donc, ça nous emmène assez logiquement vers une actualité de cette rentrée 2024. Il s'agit du lancement du budget participatif. Avant de vous expliquer un peu mieux de quoi il s'agit, je vous propose de découvrir ensemble quelques images. Qui arrive tout de suite. Le temps de les charger. Donc, on va découvrir... Là, on sourit, mais en fait, on ne sourit pas du tout parce que pendant la répétition, ça n'a pas fonctionné. C'est juste pour vous enlever du stress. Des idées très lumineuses. Il y a quoi exactement derrière ces deux mots, budget participatif, une certaine somme aussi, je crois. Je trouve que les petits films résument bien en fait la philosophie. C'est que nous, on sait effectivement que en 2020, et c'est le cas pour chacune des élections, on vient avec un programme, avec une ambition, avec des projets qu'on soumet évidemment au vote. Et puis, si on a la chance, comme ça a été le cas pour nous en 2020, d'être élu, bien effectivement, on les porte. Oui, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir des bonnes idées et que les habitants portent aussi, parfois, des idées, des projets qui ont du sens pour la ville. Et c'est ce qu'on a voulu traduire, notamment dans ces petits films et dans ce projet de budget participatif. D'abord, pour mettre le caractère parfois incongru des idées qui pourraient être portées par les élus. Je reboucle avec ma première intervention au début de ces vœux. Et puis aussi parce que c'est un moyen de prendre en considération et de manière concrète les projets qui peuvent être portés par les habitants. Du coup, comme on a l'habitude de le faire, les choses sont concrètes, elles sont organisées et elles vont être très opérationnelles, en tout cas très rapidement, puisque dans le cadre du budget 2024 que nous avons voté donc en décembre 2023, la ville a décidé de mettre une enveloppe de 90 000 euros. 90 000 euros pour des projets qui seront soumis par les citoyens. Donc si vous avez des idées bien meilleures que la mienne, c'est-à-dire mettre du verre dans la ville, mais en mettant de la peinture, sans doute Camille ne serait pas contente et qu'il vaut mieux planter des arbres. Si vous avez des idées qui sont nécessairement meilleures que celles de vos élus, n'hésitez pas à les porter. Donc ce budget participatif a évidemment un mode d'emploi. On a quelques mois là sur la base d'une plateforme interactive qui ouvrira à partir du 22 janvier et donc jusqu'au 15 mars pour déposer vos dossiers. Ensuite, ils seront étudiés techniquement par les services de la ville, puisque là encore, ce que l'on souhaite, c'est que ces projets puissent voir le jour. Et donc, du coup, il y a besoin d'une évaluation des services pour savoir si on est dans un cadre réglementaire, étudier les éléments techniques pour que ces projets puissent voir le jour. Ensuite, il y a un comité qui a été créé et qui réunit à la fois des représentants des instances dont la conférence des sages, si ma mémoire est bonne, mais également des élus, et des élus de la majorité comme de la minorité, et qui vont évaluer les projets, choisir leur coup de cœur, répartir les 90 000 euros, en sachant qu'un projet peut mobiliser au maximum 30 000 euros. Vous l'avez compris, si on avait trois projets à 30 000 euros, eh bien le budget serait bloqué pour l'année. Et puis, une fois que ces projets seront choisis, ils seront mis en œuvre dans l'année qui suit, ce qui nous permettra de remettre en place des budgets participatifs chaque année, dans un premier temps à hauteur de 90 000 euros. Je ne vous cache pas que si on sent que l'engouement devait nous amener à dépasser cette somme-là, on en reparlerait au mois de décembre 2024 pour préparer le budget 2025 et que cette enveloppe pourrait être augmentée. Voilà très concrètement ce en quoi revêt ce nouveau projet participatif. Puissant outil pour accompagner toutes les envies d'agir. Alors Alice, quel est
l'objet. Alice et Patrice, mais Patrice, on va attendre encore un petit peu pour dévoiler son objet. Alice, quel est celui que vous avez choisi ce soir? Alors, moi, j'ai choisi un diapason. Tout le monde sait ce qu'est un diapason? Un diapason, ça donne une note référente. Le la. Le la. Mais c'est aussi se mettre au diapason. Se mettre au diapason, c'est être en accord, en harmonie et à l'écoute. Donc, je trouve qu'en tant qu'élu de proximité, on se doit d'être à l'écoute de nos Sébastiennais. Bien vu, on va laisser trôner ce diapason pour maintenir l'harmonie. Et donc, Patrice, pas d'objet tout de suite. On garde encore un peu de suspense, mais un projet ou plusieurs projets, pour être plus juste, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, merci Cécile. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Meilleurs vœux pour 2024. Alors, en tant qu'adjoint au sport, je fais une tête aparté. En tant qu'adjoint au sport, je peux pas ne pas vous donner le résultat de Nantes-Laval en Coupe de France. Et donc, les Nantais se sont fait éliminer 1-0. Ah. Le match avait lieu à 17h30. Merci donc, voilà. Pour l'info. Non, mais c'est à savoir. Ah, mais moi, je suis tout pour des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est fabuleux. Alors, donc, oui, il y a beaucoup d'investissements, de nombreux investissements. Alors, moi aussi, j'ai pris mes petites fiches. J'ai vu que tu avais des fiches. J'ai dit. Essentiel. Voilà. Et donc, moi, j'ai pris les miennes parce que je suis plus à l'aise sur le terrain qu'avec un micro. C'est vrai, on m'a dit qu'il fallait regarder le public. Pas facile. Il est là. Donc, il y a de nombreux investissements. Donc, en premier lieu, on va faire le gymnase des Savarières, qui était très vétuste. Et quand je dis un gymnase, ça sera pratiquement l'équivalent de deux gymnases, parce qu'il y aura un gymnase. Et à côté, il y aura une salle hors d'eau, hors d'air, qui fera l'équivalent d'un gymnase. Donc, les associations sont demandeuses de nouvelles structures. Et donc, ce gymnase, on en avait bien besoin. Et donc, il y a aussi l'agrandissement de Louchkinet, du gymnase de Louchkinet. Alors, le gymnase des Savarières, c'est 8 millions d'euros. Le Louchkinet, c'est 4,5 millions d'euros. Nous allons aussi rénover et agrandir l'allée verte, le centre social de l'allée verte. Là, c'est 2,2 millions d'euros. On a aussi fait un terrain synthétique au Grippo. Et donc, le terrain synthétique, c'était 710 000 euros. Et enfin, nous allons rénover le centre équestre, parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait, ça faisait 30 ans que le centre équestre n'avait pas de rénovation. Et donc là, on va l'agrandir et le rénover pour 600 000 euros. Donc vous voyez qu'on investit à Saint-Sébastien. En tout, au total, ça sera environ 17,4 millions d'euros qui vont être investis jusqu'en 2028 pour les associations et le sport. Donc cette belle vitalité d'investissement, elle souligne aussi la vitalité et la dynamique associative qu'il faut soutenir et accompagner, là encore, et c'est essentiel peut-être à une période où c'est plus compliqué de recruter des bénévoles. Tout à fait. J'ai oublié tout à l'heure pour dire que les subventions... Oui, bah oui, oui, moi, j'ai mes fiches. Hein. Donc j'avais oublié qu'en fin de compte, les subventions aux associations en 2024 n'ont pas baissé. Elles ont même augmenté. Et je citerai juste les plus 30 000 euros pour les deux centres socioculturels que sont La Fontaine et l'Allée Verte. Alors le tissu associatif est dynamique. Il y a 100 associations à Saint-Sébastien, dont 41 sportives, et dont il y a environ 10 000 licenciés. Donc on est une ville, il y a quelques années maintenant, on a été élu ville la plus sportive trois fois, il me semble. Et donc c'est vrai qu'on a un tissu associatif très fort à Saint-Sébastien. Je voudrais quand même rappeler qu'on a de très bons résultats. Alors je vais en citer qu'un, parce que j'y étais encore hier à la Galette des Rois. C'est le Ring Coquet. Que les autres ne m'en veuillent pas, mais j'étais au Ring Coquet. Le Ring Coquet est au plus haut en National 1 Elite, et ils sont quatrième, donc on peut les applaudir, parce qu'ils font une très belle saison. Bien sûr, il ne faut pas s'en priver. Alors, comme tu disais, Cécile, il y a un petit bémol, c'est qu'on manque de bénévoles. Le Covid a fait beaucoup de mal, plus qu'on le pense, et donc on recherche des bénévoles. Il y a un manque de bénévoles dans les associations. Alors, mesdames, messieurs, si vous ne savez pas quoi faire... pour les retraités et pas que. Si vous avez un peu de temps à donner, les bénévoles, c'est... vous pouvez aller dans les associations, vous serez très bien accueillis. Et puis, pour vous dire que l'associatif, c'est une école pour les jeunes. Donc, c'est bien de venir pour les jeunes, les encourager et être à côté d'eux. Merci beaucoup. C'est pas fini. Je sens que c'est pas fini. Et non, c'est pas fini. Ouais, je le sens. Mais comment tu me connais?
Et donc, je voudrais finir. Tout à fait. Juste pour remercier les agents. Juste remercier les agents pour l'aide logistique qu'ils apportent aux associations. Alors, ça ne va pas toujours dans le meilleur des mondes, mais franchement, on a, et je voudrais saluer tout le travail de Boris Ledouin et de ses équipes, car c'est vrai que sans eux, je pense que ça irait beaucoup moins bien. Et comme c'est un travail d'équipe, moi je travaille en équipe, je ne suis pas tout seul, je voudrais saluer mes collègues élus au sport, que sont Marie-Odile Chevalier, Marcel Damas et Philippe Legendre. Là, j'ai fini. Merci beaucoup, Patrice. Alors, le sport rassemble sur tous les terrains, mais il y a d'autres lieux qui rassemblent au niveau de la culture. En particulier, eh bien, Alice, quel est le projet, s'il fallait en choisir un, que vous avez choisi de partager avec nous ce soir? Alors, j'ai choisi les 30 ans de la médiathèque, parce que d'abord, 30 ans, c'est quand même pas rien. Et puis, parce qu'à la médiathèque, il se passe plein de choses. C'est un lieu de vie. On y va pas juste pour prendre un bouquin, on y va aussi pour voir des expos, pour voir un film, pour voir des auteurs, et aussi juste pour avoir des échanges avec des concitoyens. Donc c'est un vrai tiers-lieu, c'est un lieu qui est très important. Un lieu de vie où il se passe beaucoup de choses, et finalement, ça illustre l'ambition de toute une politique culturelle. Alors, effectivement, l'ambition, tous les cas que je porte, moi, depuis ce mandat, depuis l'ancien mandat même, c'est vraiment l'accès à la culture pour tous. L'accès à la culture, il se traduit très facilement chez nous. C'est la gratuité de la médiathèque qui a été étendue des Sébastiennais à hors commune. C'est les tarifs de l'école municipale de musique que l'on a voté il y a deux conseils municipaux de Saint, qui fait que pour les personnes en situation de handicap, les tarifs restent les mêmes que pour les Sébastiennais, même s'ils habitent hors commune. Et puis, c'est aussi les tarifs de la saison culturelle que nous n'avons pas augmenté depuis plus de 10 ans. La culture pour tous, le sport pour tous, finalement, on relie tous les terrains d'expression. Oui, mais là encore, avec une vraie stratégie et avec une vraie politique qui s'inscrit dans le temps. Quand j'entendais Patrice tout à l'heure évoquer la rénovation du plus vieux gymnase de Saint-Sébastien-sur-Loire, hein, si je ne me trompe pas. Tu pourras aussi dire, j'ai oublié, malgré mes fiches, j'ai oublié que pour la piscine, si tu peux en parler, j'ai oublié d'en parler. Et puis Alain Vey, le maire de Basse-Goulaine est présent, je vais me faire tirer les oreilles par Alain Vey. Alors, si tu peux en parler... Alors du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Merci. Ah, t'as vu comment ça fait oui. Hein, aux répétitions, c'était comme ça. Moi. On parlait du lien entre finalement toutes ces politiques. Non, on parlait surtout de la rénovation du plus vieux gymnase de Saint-Sébastien-sur-Loire. Rappelez quand même, et je disais que ça s'inscrivait dans le temps. Dans le fond, je ne suis pas certain aujourd'hui, si on devait regarder, qu'il existe beaucoup de collectivités à côté d'une école où il y ait systématiquement un équipement sportif. Et de surcroît, pour rebondir sur ce gymnase, notamment à côté d'un collège et d'un lycée. Ce qui veut donc vraiment dire que notre attachement au sport et à sa pratique est un élément qui est un élément vraiment prégnant et qui est un élément structuré. Et quant à la culture, je pense que tout le monde aura bien compris que l'ouverture et la capacité à avoir une saison culturelle à la fois l'hiver dans cette salle ici mais également à l'escale à l'embarcadère pardon mais aussi d'en avoir une durant l'été totalement gratuite autour de la station Nuage, c'est des éléments que l'on porte parmi l'ADN de notre collectivité sans avoir baissé les budgets, sans avoir augmenté les tarifs. Et là encore, on parle souvent de culture, d'accessibilité, on sait très bien que dans les budgets, les premières coupes sombres, elles vont effectivement plutôt sur la culture parce que c'est souvent le plus simple. Nous, on n'a jamais baissé la garde, on a toujours eu une politique ambitieuse et je crois qu'elle se traduit de manière concrète, notamment par ce qui a été porté à la fois par Patrice et à la fois par Alice. Et donc, du coup, pour récupérer ta bévue, je n'oubliais plus. Non, mais parler aussi d'un vrai projet qui nous tient à cœur. Tout à l'heure, Sylvain a évoqué le travail partenarial que l'on mène à la fois avec la ville des Sorinir et la ville de Vertoux pour la construction de cette cuisine mutualisée.
Aujourd'hui, je vous l'ai dit, tout n'est pas si rose que ça sur les budgets des collectivités qui sont de plus en plus serrés, les baisses de dotations de l'État, on n'a plus de leviers fiscaux. Donc forcément, effectivement, il faut faire des choix. Il faut surtout être intelligent dans la manière dont on porte les projets. Et là, ça me permet de faire un clin d'œil à mes prédécesseurs qui ont eu l'intelligence, notamment avec Alain Vey, de créer une piscine mutualisée entre la ville de Saint-Sébastien et de Basse-Golène, et une piscine pour laquelle on porte une ambition encore de développement, puisqu'on sait que la question de l'apprentissage, notamment de la natation, surtout pour les plus jeunes, l'eau est le seul élément dans lequel, si vous n'avez pas de notion, vous risquez clairement de mourir. Et donc, cette obligation qui est la nôtre d'accompagner les jeunes générations, elle doit se traduire aussi par des nouveaux équipements. La création d'un futur bassin extérieur, dit bassin nordique, devrait compléter l'offre pour nos deux collectivités, voire même, je te regarde mon cher Alain, parfois au-delà un petit peu de nos deux seules villes, compte tenu du fait que nous sommes sollicités par d'autres villes de la métropole qui n'ont pas les mêmes moyens ou qui ne savent pas se donner les moyens d'avoir une piscine au sein de leur propre collectivité. Voilà. Joli, bravo, et je vous propose de remercier Alice et de lui rendre le diapason. Pour maintenir toujours l'harmonie, on va garder Patrice avec nous. Pourquoi ? Parce que toujours... Ah, eh bien on peut, mais alors il va falloir accueillir d'autres personnes. Donc oui, je pense quand même qu'on va vous inviter à regagner la salle et vous applaudir. Merci beaucoup Alice, sinon on n'aura pas assez de place pour tout le monde. Dans moins de 6 mois sur cet horizon, on devine l'engouement et les étincelles de toute une ville pour celle qui passera le 5 juin précisément ici à Saint-Sébastien-sur-Loire. Sacré symbole en effet que celui de la flamme olympique dont nous allons parler avec celles et ceux qui font vibrer cette flamme. Et c'est le moment de dévoiler dans quelques instants cette fameuse compagnie. Mais d'abord, jingle, puisqu'on ouvre la séquence dédiée aux Jeux olympiques. Est-ce qu'on peut faire plus en plus connaissance avec... Frige. Oui, parce qu'elle a un petit nom. Oui, elle s'appelle Frige. Elle s'appelle Frige. Je vais l'installer. Merci beaucoup. Oula, il y a eu une étincelle. Entre nous ? Oui. Ah, d'accord. Elle est parfaitement pourquoi installée. Pourquoi Frige ? Parce que c'est un bonnet phrygien. Ah. C'est pas parfait. Merci. J'ai appris qu'elle... j'aurais tout révisé. Alors, pourquoi ce choix et pourquoi ce choix vestimentaire également ? Je ne pouvais pas faire autrement. C'est les Jeux Olympiques. Alors, juste pour un petit rappel, les Jeux Olympiques, ça se déroulera du 26 juillet au 21 août pour les Jeux Olympiques. Et les Paralympiques, parce qu'il ne faut pas oublier les Paralympiques, qui seront du 28 août au 8 septembre. Très bien. Le 5 juin, précisément, il se passe quelque chose ici. Non. Si, il y a le passage de la flamme olympique. Alors, moi, c'est un honneur parce que, bon, j'ai fait beaucoup de sport, mais je n'ai jamais eu un grand niveau. Mais c'est vrai que les Jeux olympiques, c'est universel. Et moi, je ne sais pas où vous serez dans 100 ans parce que les Jeux olympiques, on les a eus en 1900 et on les a en 2024. Alors moi, dans 100 ans, je ne serai pas là. Hein, vous non plus, je suppose. Donc, c'est vrai que les Jeux olympiques, qui se passe à Saint-Sébastien avec la flamme, je pense qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas faire autrement. Et elle ne passe pas qu'à Saint-Sébastien, elle passe aussi à Basse-Goulaine, à Vertoux, à La Baule et à la Compa, donc Anceny, Ligné, voilà. Donc le 5 juin, ça sera une belle fête. Et pas que le 5 juin, parce que les choses vont commencer, les festivités vont commencer plus tôt, dès le mois de mars, je crois. Voilà, tout à fait. On va associer les associations, les écoles. Oui. En fin de compte, il va y avoir pas mal de, il va y avoir des comment des voilà, je cherche mon mot. Des expositions. Voilà. Merci Cécile. Des expositions. Un travail donc, avec les écoles. Voilà, publiques. Voilà, avec les écoles, il va y avoir des expositions. Donc ce n'est pas que nous. Tout le monde va être associé au passage de la flamme. Je pourrais dire aussi que le 5 juin, il y aura un village olympique où là, on va découvrir du hip-hop, il y aura un graffeur et on va même avoir un des DJ qui va officier aux Jeux Olympiques à Paris. Ah oui,
Ah oui, nous on rigole pas, Saint-Sébastien. Et alors, parmi ce programme pré-5 juin, il y a en mars une exposition particulière. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot ? Oui, alors avant l'exposition, de vous parler de l'exposition, je voudrais moi faire un focus sur... alors, le baron Pierre de Coubertin disait « l'important c'est de participer ». Je pense que les femmes, elles ont eu du mal à participer aux Jeux Olympiques. Parce que pour rappel, les femmes ont pu participer aux Jeux Olympiques, aux premiers Jeux Olympiques en 1900, et il n'y avait que 5 sports. Alors il y avait l'équitation, le croquet, et je ne me souviens plus, mais il y avait 5 sports. Pour la petite histoire, il y avait 970 hommes pour 22 femmes, c'est-à-dire 2%. Et là, je vous rappelle que cette année, pour la première année en France, en 2024, il y aura autant de femmes que d'hommes, il y aura la parité pour les athlètes. Et moi, je pense que ça s'applaudit. Tout à fait. Un excellent indicateur. Voilà. Et donc maintenant, on va parler d'Alice Mia, parce que c'est d'elle qu'on parle. Heureusement qu'elle était là, cette femme, parce qu'elle a organisé les premiers Jeux Olympiques féminins en 1922. Et donc, depuis 1922, maintenant, il y a des femmes aux Jeux Olympiques, et c'est très bien. Et donc, le 13 mars, on va faire une journée Alice Mia. Alice Mia, dont on a la chance d'avoir dans cette salle l'arrière-petit-cousin. Il s'appelle Antoine Ploquin, et je l'invite à nous rejoindre sur scène. Bienvenue. Alors... Laurent, pourquoi avoir choisi d'inviter Antoine Ploquin et de faire ce clin d'œil aussi à une femme qui a compté dans l'histoire, on peut le dire ? D'abord parce qu'elle est née à Nantes, si je ne m'abuse, et qu'elle a du coup œuvré effectivement ici, sur notre territoire. Vous me disiez tout à l'heure qu'elle avait une partie de sa famille route de Clisson, donc en plus avec une forme de proximité avec Saint-Seb. C'est parce que bien évidemment, il y a la question de la ferveur autour de cette manifestation populaire dans laquelle les villes, notamment pour notre métropole de Basse-Goulaine, de Vertou et de Saint-Sébastien, on avait envie de s'inscrire et d'offrir une petite part du rêve des Jeux Olympiques, hein, dont la plupart des épreuves se dérouleront d'ailleurs, vous l'avez évidemment comme le nom l'indique, se dérouleront à Paris, que pour la plupart d'entre nous, nous ne verrons qu'à distance via nos écrans. Là, le passage de la flamme, c'est aussi un moyen de communier avec l'ensemble de la population autour d'un événement populaire. Pour autant, au-delà de l'esprit olympique et de cette fête populaire, c'est aussi le moyen de traduire de manière concrète des éléments de nos politiques publiques auxquels on est attaché. Et la question de l'égalité de la femme et de l'homme, Claudine Siglia a eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, avec tout le travail qui est mené auprès des plus jeunes par le PIGE, nous tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai que mettre à l'honneur Madame Mia avait du sens pour nous, puisque sans elle et sans la création de ces championnats mondiaux en 1922, il n'y aurait certainement pas eu un changement de mentalité permettant aujourd'hui d'arriver à cet élément de parité. Donc ça nous semblait intéressant de porter cet élément de valeur et de politique publique concrètement autour de cette flamme olympique. Que penserait-elle, elle qui s'est battue pour faire une place aux femmes dans le sport et la compétition, de cette parité? Elle dirait quoi, à votre avis? Écoutez, je crois qu'elle serait très fière, puisque ce qu'elle voulait, c'est que toutes les femmes puissent accéder au sport qu'elles avaient envie de pratiquer. Et... Oui, je suis d'accord. J'en profite d'ailleurs pour souligner que Saint-Sébastien a fait le choix de retenir deux catégories d'athlètes qui n'étaient pas présentes au premier jeu de 1896, à savoir les femmes et les personnes en situation de handicap. Et ça, je trouve ce choix de la ville de Saint-Sébastien extrêmement intéressant. Merci. Merci à vous de votre présence. Et on a évidemment ce soir une pensée pour Alice Mia. Et rendez-vous au mois de mars, vous l'avez compris, pour cette exposition. Je vous propose de profiter de la suite en regagnant la salle, puisque la flamme sera notamment portée par un certain Philippe Révillon, champion paralympique de natation, médaillé en bronze aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Il ramène 4 ans plus tard à Athènes une double médaille en bronze et en argent. Le 5 juin, il effectuera 200 mètres avec la flamme. Et ce soir,
Il est avec nous. Bienvenue à Philippe Révillon. Bonsoir, Philippe. Alors, depuis Athènes, vous avez continué à nager. On parlait tout à l'heure des bassins. Une à deux fois par semaine, en complément du foot fauteuil que vous pratiquez en Division 3 en tant que capitaine de l'équipe de Nantes, équipe qui a fait les championnats de France, donc voilà, sans oublier le théâtre et bien sûr votre travail pour compléter des semaines qu'on imagine bien chargées. Ça fait quoi d'avoir été choisi comme porteur de la flamme olympique ? Bonsoir, merci pour ce récapitulatif. Je vous avais tout bien noté. Tu vois, Patrice, elle est comme toi, elle a des fiches aussi. Elle a très, très... Bon, d'abord, je me permets de vous souhaiter à tous une très bonne année et une année, si possible, sportive. Alors, chacun à son niveau, mais je crois que l'année des Jeux, c'est aussi l'occasion pour chacun de se rappeler que le sport, c'est un épanouissement. Votre question, c'était ? Le ressenti. Ça fait quoi, même si c'est 200 mètres, de porter cette flamme ? Alors, bah, écoutez, même si c'est 200 mètres, c'est 200 mètres extrêmement importants. Moi, je suis extrêmement fier d'avoir été choisi par la ville de Saint-Sébastien pour représenter la ville pour le port de cette flamme. Pour moi, c'est un symbole très fort. Les Jeux Olympiques, comme tu l'as dit, Patrice, et Paralympiques ne repasseront pas par Saint-Sébastien avant longtemps. Donc, c'est un événement historique. Et y être présent, et en plus, c'est être... le représentant de Saint-Sébastien, c'est extrêmement important pour moi. Et ça va, alors, à titre plus personnel, me rappeler évidemment les Jeux que j'ai vécus, que vous avez rappelés, donc les Jeux de Sydney et les Jeux d'Athènes, qui commencent à dater, hein, parce que les derniers, c'était il y a 20 ans. Mais ça va raviver ce souvenir de façon extrêmement forte. Et ça va permettre aussi de partager ça avec la jeune génération. Tu en parlais, Laurent. Je crois qu'effectivement, le partage est très très fort. Et les Jeux Olympiques, j'ai pu m'en rendre compte, et les Paralympiques, ça permet de partager ça avec tout le monde. C'est-à-dire que quand vous faites des championnats d'Europe ou des championnats du monde, c'est super, hein, mais quand vous faites les Jeux, c'est universel. Et donc, ça, symboliquement, là encore, j'y reviens un peu, mais c'est très très fort. C'était une évidence de choisir Philippe Révillon comme porteur ? C'était une évidence absolue. Absolue pour deux raisons. La première, c'est que, là encore, combien de villes en France ont la chance d'avoir un habitant qui a opéré sur deux Jeux Olympiques et a obtenu trois médailles ? Quatre. Excusez-moi, c'est quatre. Mais... J'en ai raté une ? Oui, il y en a. Ah, ben alors, mais les fiches n'étaient pas à jour. Pas alors, ben, bon, laquelle j'ai raté ? En fait, à Athènes, il y a eu deux bronzes et une argent. Oh là 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 là. Bon, bah 4. Pardon. Et donc 4 médailles. Donc forcément, à un moment, on pense que ça a du sens. Et puis, tout à l'heure, j'évoquais cette volonté aussi d'être dans la continuité de nos politiques publiques. Évidemment, la question du handicap, la question de l'accessibilité au sport, elle est là encore prégnante dans les politiques publiques que l'on peut développer. Je pense notamment, il y a de cela quelques jours, lors des vœux aux associations, aux institutionnels, la signature d'une charte avec l'ensemble des associations sportives qui aujourd'hui ont engagé des structurations pour accueillir tout le monde a du sens pour nous. Et donc, du coup, quelle meilleure représentation de ce lien entre ce que l'on porte de manière concrète en politique publique au quotidien, et puis d'avoir la chance que ça puisse être le prolongement d'une magnifique carrière sportive qui sera mise à l'honneur au moment de ces 200 mètres et de cette capacité à porter la flamme. Donc oui, dans mon esprit, c'était une évidence. Je n'avais pas doute un seul instant sur le fait que le comité olympique allait évidemment retenir cette candidature. On va continuer à profiter de l'engouement qu'on ressent déjà, puisqu'on a la chance ce soir de pouvoir profiter de deux clins d'œil prestigieux, là encore. Celui de Mona Francis, d'abord paratriathlète de 33 ans, médaille d'or au championnat d'Europe en 2022. Elle sera au rendez-vous des Jeux à Paris, l'été prochain donc, et elle fait partie, aux côtés de Florent et Laure Manaudou, mais aussi du champion de saut en longueur Dimitri Pavadé, des quatre capitaines choisis pour le relais de la flamme des JO français. On l'écoute.
Salut à tous, c'est Mona Francis, donc paratriathlète, en pleine préparation pour les Jeux de Paris qui auront lieu dans quelques mois. Et j'étais passée dans le collège Île-de-Loire il y a un bon bout de temps de ça. J'étais en train de préparer les Jeux de Tokyo à l'époque. Voilà, aujourd'hui je suis capitaine du relais de la Flamme à côté de trois autres grands sportifs. Et j'ai cru comprendre que la Flamme est passée par chez vous. Donc tout ce que je peux vous souhaiter pour 2024, c'est de profiter de ces moments-là, de faire du sport et de partager ces séances avec vos proches. Voilà pour le message enregistré spécialement pour cette soirée. Et un deuxième clin d'œil nous est proposé, celui d'Émile Amoros. Il est né à Saint-Sébastien-sur-Loire, champion d'Europe en dériveur double masculin en novembre dernier. C'était au Portugal, aux côtés de Luca Rual. Il était à Tokyo, lui aussi, en 2020 et espère être au rendez-vous de Paris dans quelques mois. On l'écoute. Bonjour à tous. Je m'appelle Émile Amoros, j'ai 28 ans et je suis sportif de haut niveau en vol olympique, en 49er. Donc c'est un bateau qui pèse moins de 100 kg, qui peut monter à 25 nœuds. J'ai déjà fait les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et je me prépare en ce moment pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pourquoi ce mot aujourd'hui ? Parce que je suis né à Saint-Sébastien-sur-Loire, voilà. J'y suis attaché. J'ai aussi fait, je fais mon école de kiné à Saint-Sébastien-sur-Loire à l'IFM 3R. Et je voulais simplement avoir une petite pensée pour vous, voilà, vous expliquer l'attachement que j'avais pour cette ville. Vous dire aussi que c'est quand même un grand moment que vous allez vivre le 5 juin, voilà, avec le passage de la Flamme. J'espère vraiment pouvoir être là, en tout cas vous pouvez en être très fiers. Vous dire aussi que voilà, nous avons un projet avec Lucas, mon barreur, ambitieux vers les Jeux Olympiques. La sélection se fera en avril. Et on espère vraiment voilà, se sélectionner et embarquer un maximum de personnes de la ville dans notre projet. En tout cas, on est très fiers de ce projet et j'espère que vous passerez une bonne soirée des vœux. Voilà, je pense à vous et à très bientôt à Saint-Sébastien. Salut. Voilà pour ces deux messages enregistrés spécialement pour l'occasion. Un dernier petit mot sur ce grand événement qui se profile, Laurent. Oui, bon, une fois encore, beaucoup de choses ont été dites et voilà, vous avez compris à quel point cette chance, c'est une chance unique. La Flamme ne repassera pas avant très très longtemps en France et ça me semblait être important que notre département soit mis en valeur. Donc je voudrais d'abord avoir une pensée et faire un petit clin d'œil aux maires qui se sont associés pour faire en sorte que la Flamme elle puisse réellement passer en Loire-Atlantique. Je me souviens des mots de Tony Estanguet au moment où ils ont dévoilé à Paris l'ensemble du circuit en France du passage de la Flamme. Il a rappelé, je ne sais pas si ça fera écho chez toi, il a dit ces Jeux Olympiques, c'est un événement extraordinaire. Tous les 4 ans, pendant quelques minutes, tout le monde s'arrête pour regarder la finale du 100 mètres. C'est donc, je veux dire, quelque chose de mondial qu'on a la chance cette fois-ci d'accueillir en France. Et moi, je suis particulièrement fier que ce soit dans cet esprit, dans le prolongement de nos politiques publiques, qu'on puisse accompagner cet élément qui restera un élément festif, gratuit, offert non seulement aux Sébastianais, mais j'en suis certain également à un bassin de vie beaucoup plus large, y compris de chez ceux et celles qui n'avaient pas voulu voir venir la Flamme ici à Saint-Sébastien-sur-Loire. Merci, donc rendez-vous le 5 juin. Je vous propose d'applaudir Philippe Révillon et Patrice. Il ne faut pas repartir sans cette charmante mascotte. Merci beaucoup. Merci de votre présence. On arrive presque au terme de cette cérémonie, de la première partie de soirée. Presque, car vous avez remarqué ici, on a découvert de nombreux objets, mais je ne crois pas avoir... pu découvrir le vôtre. D'accord. Alors le mien, il est dans ma poche, si j'arrive à le sortir. Et puis ceux qui me connaissent, alors ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis élu, les gens qui me connaissent bien, et notamment celles et ceux des élus avec qui j'ai vraiment le plaisir, le bonheur de travailler au quotidien, savent que je peux parfois être un peu taquin.
Alors c'est vrai, mes chers collègues, que si je vous ai imposé de mettre en avant via un objet, un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous avez déjà eu l'occasion de porter, moi je ne vais pas me soumettre à la même règle. Pour autant, j'ai un objet. En fait, en y réfléchissant, d'abord, tous les projets que vous avez portés, j'en suis aussi fier que vous et j'aurais sans doute pu en citer beaucoup d'autres. Donc, j'ai eu du mal aussi à faire un choix. Et finalement, plutôt que de vous parler d'un projet passé, je voudrais vous parler d'un projet à venir. Un projet qui, d'ores et déjà aujourd'hui, me tient particulièrement à cœur et dont je suis certain que dans quelques années, on se souviendra encore. Du coup, je vous explique pourquoi je vous remets une clé. Ok. La clé du bonheur ? Je ne sais pas. Une clé comme étant le symbole nécessaire et absolument indispensable pour pouvoir ouvrir une porte. Et demain, cette clé ouvrira la porte du local dans lequel nous allons avoir le plaisir d'accueillir une personne qui pourrait être en situation de sans domicile fixe. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu l'opportunité de tomber sur un reportage qui mettait en avant un dispositif créé par le CJD. Alors, le CJD, c'est une association qui regroupe des chefs d'entreprise, plutôt des jeunes entrepreneurs, et qui cherche, par des opérations extrêmement concrètes et multiples, à trouver des solutions pour s'ancrer dans la responsabilité sociétale et environnementale. Et il y a quelques années ici à Nantes, et c'est aussi pour ça que je trouve que ça a du sens, les jeunes entrepreneurs ont décidé de créer les bureaux du cœur. En partant d'un principe très simple, c'est que finalement, nos bureaux dans nos entreprises, vers 18h30, ils sont vides, et ils ne se re-remplissent avec les agents et les collaborateurs qu'à partir de 8h30 le lendemain matin. Et ce système et ce réseau qu'ils ont mis en œuvre, ils l'ont mis en s'associant également à des associations qui aident à l'insertion. Et en travaillant avec eux, ils se sont évidemment rendus compte que l'insertion elle n'était possible que si les personnes étaient mises à l'abri. Du coup, aujourd'hui, ils font le lien de personnes qui sont accompagnées par ces associations d'insertion en mettant les gens à l'abri et en leur permettant de retrouver une forme de dignité tout au long de leur parcours de réinsertion. En regardant le reportage, je me suis dit, mais dans le fond, si les entreprises le font, pourquoi les collectivités locales ne le feraient pas ? Et aujourd'hui, si je vous parle de ce projet, c'est parce que j'aurai plaisir, le plaisir de porter une délibération au prochain conseil municipal du 20 février en demandant à mes collègues élus de m'autoriser à signer une convention avec les bureaux du cœur pour faire en sorte que, notamment, au moins dans un local déjà, qu'on a déjà identifié avec les services de la ville, qui est la maison du Carrefour des Familles, qui se trouve en proximité de l'hôtel de ville, qui est une ancienne maison, l'ancienne maison du gardien de l'école du centre, qui aujourd'hui est équipée, et pour laquelle il va simplement nous falloir installer une douche. Et là, j'en profite pour remercier à nouveau les services de la ville qui vont le faire en régie, et qui nous permettra, si le conseil municipal nous autorise à signer cette convention, à faire en sorte que, dès le début du mois de mars, nous puissions accueillir pendant 3 mois renouvelables une fois cette personne qui sera donc mise à l'abri et pourra, de manière plus confortable, entamer son projet d'insertion et de réinsertion. Donc voilà, je trouvais que ça avait du sens aussi de donner un peu de perspective sur des projets qui nous arrivent et pour lesquels, de surcroît, les collectivités locales doivent être exemplaires. Je dis souvent que si on veut inciter les entreprises à faire des choses, il faut que nous aussi, de notre côté, nous puissions être exemplaires. Je pense notamment à l'accueil des plus jeunes pour les stages, où j'ai une vraie logique d'accueillir au maximum les jeunes au sein de nos collectivités, de leur offrir une opportunité de rencontrer les 100 professionnels. Là, c'est les entreprises qui nous montrent le là. Et si les entreprises le font, je ne vois pas pourquoi les collectivités ne le feraient pas. Donc, on va le mettre en place en 2024 pour un premier bâtiment. J'espère bien, puisque j'ai 2-3 autres idées de 2-3 autres endroits, qu'on pourra accueillir plusieurs autres dans les mois qui viennent. Et de la sorte, nous concourrons effectivement à la mise en place d'une politique publique à l'échelle et à la hauteur de ce que l'on peut faire avec notre cœur et la solidarité que l'on doit à la société. Voilà. Bravo.
On va laisser cette clé derrière nous et accueillir, je vois qu'ils sont prêts, les boulangers et Sébastianais qui ont confectionné les brioches. Et j'annonce que les personnes qui recevront, enfin qui auront le plaisir d'avoir la fève dans leur part de brioche, repartiront avec un bon pour une galette à déguster chez les boulangers, vos boulangers préférés. Et je les invite à rejoindre cette scène. On les applaudit également. Bienvenue, on va profiter. Non, ben, venez devant, quand même. Ah, ben, vous venez avec un couteau. Ok, c'est mieux pour couper, on est bien d'accord. Un petit mot juste pour vous présenter, faire un petit tour d'horizon. Oui, moi je suis place de l'église, la boulangerie Autant des Tartines. Atelier Maurice à place Cambronne. Le fournil de La Fontaine, centre commercial La Fontaine à côté du Lidl. La fabrique a pas trop de clissons. L'amour d'emblée à la Martelière. On ne peut pas tout faire. Eh bien, félicitations et puis ben, merci de votre contribution. Autre information à partager, il va y avoir l'ouverture officielle du bal avec à l'extrême orchestre choisi pas du tout au hasard. Non, bien connu des Sébastianais puisque c'est ce que je leur disais tout à l'heure en aparté quand ils étaient en train de s'installer. C'est le même orchestre que celui que nous, vous avez l'habitude de retrouver sur les îles pour le feu d'artifice du 14 juillet. Voilà, pardon. Voilà, donc le bal va commencer et en attendant que tout soit prêt, donc dans quelques minutes, sachez que vous pourrez vous rafraîchir avec le Secours Populaire qui assure cette partie pour la bonne cause, Laurent. Alors, en fait, on va faire comme tous les ans, c'est-à-dire que d'abord, ça me permet de vous remercier chacun d'entre vous pour respecter cette tradition que le 20 janvier, des galettes puissent être offertes aux habitants de Saint-Sébastien-sur-Loire. Évidemment, comme rien ne se termine ici dans notre ville sans le verre de l'amitié, la collectivité a le plaisir de vous offrir ce fameux verre. Mais comme on s'est dit que la soirée se poursuivant et que vous alliez toutes et tous danser ce soir, vous aurez sans doute envie un peu plus tard de continuer à boire avec modération si c'est de l'alcool. Et donc du coup, on a proposé au Secours Populaire et ses nombreux bénévoles d'organiser un bar et donc d'être en capacité de répondre à votre besoin. Avec une différence notable que je veux que vous ayez toutes et tous à l'esprit, contrairement aux pots offerts par la mairie, c'est que évidemment les boissons seront payantes pour le Secours Populaire, ce qui a évidemment beaucoup de sens dans cet instant de notre société où ces associations qui œuvrent pour les plus démunis ont besoin de voir leurs recettes augmenter. N'hésitez pas, alors sauf à ce que vous repreniez le volant et que ce ne soit que de l'alcool, à aller à leur rencontre, à consommer, parce que évidemment de la sorte vous opérez un geste de solidarité dont ils ont besoin. Et vraiment, je remercie sincèrement les bénévoles qui ce soir vont se mobiliser au niveau du Secours Populaire pour pouvoir vous offrir ce service. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ainsi commence officiellement cette belle soirée de la Saint-Sébastien et c'est le moment de se souhaiter une excellente année et une belle soirée. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Vous étiez très nombreux. La salle est quasiment pleine. À nouveau, je vous renouvelle tous nos voeux de bonheur au nom de l'ensemble du conseil municipal. Et puis, évidemment, je le sais, nous aurons l'occasion de nous retrouver à nombreuses reprises tout au long de l'année et avec autant de bonheur et de plaisir pour moi et l'ensemble des élus. Passez toutes et tous une belle soirée avec ce bal. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Et vous alliez couper les balles.